La Fédération royale marocaine de football a annoncé jeudi la nomination de l'ancien sélectionneur de l'Espagne, Jorge Vilda, à la tête de l'équipe nationale féminine. Entraîneur jusqu'au 5 septembre de la sélection espagnole avec laquelle il a remporté la Coupe du Monde d'Australie et de Nouvelle-Zélande en août dernier, Jorge Vilda prend la place du Français Reynaldo Pedros, limogé par la Fédération marocaine de football, qui l'a remercié pour la qualification historique en 8e. Proche de l'ancien président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, auteur d'un baiser forcé sur l'attaquant Jenny Hermoso après le sacre des Espagnols lors du Mondial, Jorge Vilda avait été démis de ses fonctions début septembre et remplacé par son adjointe, Montse Tomé. De son côté, le Maroc a écrit une page de son histoire en se qualifiant pour la Coupe du Monde féminine. Avec Vilda aux commandes, la sélection marocaine ambitionne de briller à la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle organisera en 2024.